James Sisou est un artiste qui a un talent incroyable pour rendre les effets de tissu, de texture, de mode. Et c'est vrai qu'il a été souvent représenté dans des expositions sur la mode, l'impressionnisme et la mode par exemple, ou dans des expositions sur les exilés français à Londres, comme la dernière exposition de la Tate et du Petit Palais à Paris. C'est un artiste en fait qui a été fasciné par les tissus, par la femme, par la psychologie des femmes telles qu'il les représente dans ses tableaux. Et les costumes dont il affuble ses modèles sont intéressants car cela reflète à la fois sa formation, lui-même est un fils d'une modiste nantaise, et puis sa formation j'allais dire artistique plus que familiale avec un élève d'Ingres, flandrin, qui est fasciné par le modèle des tissus tels que Ingres les a développés dans les années 1830-1840. Et évidemment, Tissot, c'est un artiste qui est maintenant résumé souvent à des beaux tissus, de la soie, de la dentelle. On les voit souvent représentés dans des magazines de mode. Mais en fait, le costume, pour lui, n'est un accessoire qui dévoile une partie de l'intrigue de l'histoire. Les tableaux de Tissot sont généralement compliqués à comprendre. Ils ont des titres courts ou un peu ambigus. La galerie du Calcutta, une histoire ennuyeuse, la mademoiselle LL, avec des initiales très bizarres à déchiffrer, le nom du modèle certainement, les deux sœurs. Et en fait, les costumes qui sont portés par les modèles sont toujours soit des trucs d'atelier qu'il a repris d'un modèle à l'autre, soit à la dernière mode, mais c'est une mode que Tissot va essayer de reprendre et il n'hésite pas à reprendre un tissu qui peut être très, très, très élaboré d'un tableau à l'autre et d'une époque à l'autre. 10 ans plus tard, on peut voir la même robe, c'est totalement passé de mode justement. Donc là, il y a une ambiguïté chez Tissot qui est tout à fait intéressante. Il utilise la mode comme un moyen pour valoriser ses modèles et en même temps, il se joue un peu de cet effet d'apparence de luxe. C'est quelqu'un qui est très aisé, qui a les codes de cette aristocratie de l'argent. Et en même temps, il est très ironique sur les codes de ce monde-là, un monde un peu vain, un peu fat. Et lui-même est un homme profondément religieux. Il se voit comme un fils prodigue. Et donc, l'idée de dépenser peut-être beaucoup d'argent dans des costumes, alors que lui s'habille en dandy, doit certainement le titiller et doit l'interroger dans son fort intérieur. Est-il vraiment un bon catholique? C'est pas sûr que sa peinture le dise.